Michel Barnier sous tension. Une nouvelle ministre menace de claquer la porte. Après la menace de démission du ministre de la Justice Didier Migaud, un nouveau membre du gouvernement Barnier affiche, lui aussi, ses désaccords avec son numéro 1. Il s'agit de la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, qui a posé un ultimatum au premier ministre en direct, sur RMC BFM TV. Un gouvernement sous tension, c'est en tout cas ce que laissent à penser les récentes déclarations de certains nouveaux ministres, qui ont visiblement des choses à reprocher à leur numéro 1, Michel Barnier. Alors que, le 14 octobre dernier, Didier Migaud a fait savoir sur RTL que si l'on n'octroyait pas plus de moyens à la justice, il n'hésiterait pas à claquer la porte, 4 jours après. C'est Agnès Pannier-Runacher qui réclamait plus d'argent sur RMC BFM TV, au risque de poser sa démission à son tour. Alors que des crues historiques ont récemment ravagé le centre-est, la ministre de la Transition écologique maintient qu'il faut un budget à la hauteur de la situation, en matière de prévision et d'équipement contre les catastrophes naturelles. Au micro des Apollines de Malherbe, elle lance « Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Je ne sais pas s'il faut encore attendre des drames alors que c'est une absolue nécessité d'investir dans l'adaptation au changement climatique, avant de conclure. Je veux travailler à avoir les moyens de mon action, je vais me battre pour ça. Si je ne les ai pas, je ne tirerai les conclusions. Le message est clair. » Michel Barnier, Agnès Pannier-Runacher ne lui ferme pas totalement la porte. Si elle a tenu à afficher ses positions dans les médias, la ministre de la Transition écologique souhaite tout de même saluer le travail de Michel Barnier en matière d'écologie et semble avoir toute confiance en son premier ministre. Le premier ministre est très clair sur l'enjeu de la dette écologique. Il était à mon poste, il a créé le fonds Barnier, il va prendre la mesure du sujet, a-t-elle rappelé. En effet, Michel Barnier a lui-même occupé ce poste, sous le titre de ministre de l'Environnement à l'époque, de 1993 à 1995. Une période durant laquelle il a mis en place le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, FPRNM, principale source de financement de la politique nationale de prévention des risques naturels.